j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve un peu souvent maintenant d'ailleurs sur le circuit du Castellet pour BMW Passion Days. C'est l'occasion, cette journée pour moi, de lier auto et moto parce qu'il y a toute la gamme BMW, de la 310 à la Z1000R à la Z1000RR. Du coup, vous savez que ma moto au quotidien, c'est une Ducati Monster 796. Et aujourd'hui, c'est la première fois de ma vie que je vais faire de la piste à moto. Et pour ça, on m'a dit, t'as le choix entre un roadster et une sportive. Et j'ai choisi, je vais rouler avec ça. C'est un peu comme ça, là. Ça coûte environ entre 15 et 20 000 euros, une moto comme ça, neuve. Et surtout, la grande classe, le petit détail qui tue et l'honneur pour moi, c'est que qui va m'ouvrir la piste devant moi, j'aurai un instructeur, ce sera personne d'autre que Kenny Forêt, champion de France de Superbike, mesdames et messieurs. On va peut-être pas déhancher et poser le genou ou le casque sur le vibreur tout de suite, mais j'ai hâte et j'ai un peu les chocottes. Évidemment, sur le circuit, c'est pas la tenue de moto de tous les jours, ça va être casque intégral. La casquette, non, ça sera pas là sur le circuit. Combinaison en cuir intégral, bottes et gants à manchettes un peu plus longues, comme ça t'es protégé au maximum en cas de chute. Donc ici on a la Z1000RR, 199 chevaux, qui sort d'un 4 cylindres refroidi par eau et un peu plus de 200 kg, donc c'est absolument énorme. Moi j'aime bien le détail du phare. Mon instructeur pour la piste qui va me montrer, me coacher. Salut tout le monde. Quel honneur. Merci hein. Bah de rien, pas de quoi. Alors, faut mettre le genou par terre avant la fin de la journée ou pas? Oui, essayer. Faut essayer. Donc, alors, quel petit conseil tu vas me donner? Parce que je crois pas qu'on va communiquer entre les Non, motos. On va pas communiquer. Mais donc, je vais regarder ce que tu fais. Vu que ça sera ta première séance et que t'auras pas roulé, le but dans un premier temps, ça va être d'apprendre le circuit. Donc moi, je te demande juste de rouler comme tu sais faire dans un premier temps, de prendre ton temps et tu verras par rapport à la moto que tu peux avoir. C'est une moto qui est très sportive, qui est très puissante, qui est très légère, qui a un très gros freinage. Donc quelques tours pour prendre en main et puis après, à la deuxième ou troisième séance, session, tu pourras t'amuser un peu plus. Mais ne pas se précipiter. Ah non. Non, surtout avec ça. C'est uniquement se précipiter justement. Mais... Bah c'est ça, mais le problème c'est que ça te rend humble aussi parce que quand tu vois le freinage et l'accélération, tu verras, c'est pas quelque chose qui se... Alors l'avantage c'est que sur circuit tu peux te permettre de rouler avec ce genre de moto à une vitesse réduite parce que tu peux ne pas accélérer trop fort. Mais ça reste des motos qui sont ultra performantes. Mais c'est plus du plaisir qu'une contrainte, hein, je te rassure. Bon, ouf. Et du coup là on a... La Z1000RR normale, voilà. Et la HP... La HP4 Race. La HP4 Race. Avec tout leur savoir-faire dans une moto. Et celle-ci, on peut l'acheter, elle est homologuée route ou pas? Non, elle n'est pas homologuée route, elle est homologuée que circuit parce qu'il y a un cadre en carbone, des jantes en carbone. Ah, il n'y a pas de phare. Déjà, elle est extrêmement légère. Par exemple, celle-ci à vide, elle fait à peu près 170 kg. Celle-ci à vide, elle fait 147 kg. Donc c'est assez fou. Elle a une fourche qui est différente, une fourche qui coûte extrêmement cher, des freins encore plus puissants que ceux qui sont là. Il y a beaucoup de pièces qui sont différentes, l'électronique est différente, tu peux voir le tableau de bord. On peut l'allumer. Regarde, voilà. Donc qui te donne beaucoup d'indications. Donc tu vois par exemple, tu peux régler le traction control, ah ouais. Tu peux régler le frein moteur en roulant. Là tu peux voir ton chrono quand tu roules, là tu as ton rapport engagé, tu as la température, tu peux avoir des informations un peu de partout sur la moto. Quoi. C'est beaucoup plus abouti. Mais c'est voilà, c'est une moto qui. Et ta moto de course, c'est... Alors moi ma moto de course, elle est très proche d'une moto d'origine parce que le règlement nous interdit d'utiliser des fourches chères, des freins chers parce que sinon les coups sont extrêmement douteux. Ouais. Et par contre en endurance, au 24 heures du Mans ou au Bol d'Or, qui se déroule aussi ici, là on a une moto qui est vachement plus proche de celle-ci. Pas aussi légère parce que le cadre en carbone n'est pas homologué, mais en tout cas qui est vachement plus proche, on a la même fourche, on a le même électronique, on a les mêmes brossillants, etc. Ça c'est un peu plus extrême que ta moto de course ou pas? Oui, parce que ça, moi ma moto de course ça fait à peu près 210 chevaux, une moto d'origine c'est 200 chevaux. Ouais. Quand tu arrives à exploiter un petit plus, t'es à 200, même avec un moteur d'origine, tu arrives à gagner entre 5 et 7 chevaux de plus avec une ligne d'échappement, avec une préparation, mais aux petits oignons. D'accord. Et celle-ci ça fait 220 ou 225 chevaux. Ça fait 20 kg de moins.
Donc sur une moto, en fait, les gens sur une voiture se rendent pas trop compte parce que c'est des petites sciences, parce que la voiture est très lourde, mais ça, là-dessus. Ça pour avoir l'équivalence, je pense en voiture. Acheter une voiture à 1 million d'euros. Je sais pas parce que je connais pas les valeurs des voitures, mais je pense qu'il faut, quelque chose, il faut quelque chose d'extraordinaire parce que 220 chevaux pour 140 kg, c'est le rapport poids-puissance et je crois qu'il existe même pas en voiture. Non, il n'existe pas en voiture. Donc, le meilleur, c'est la Koenigsegg Agera 101 parce qu'elle a 1360 chevaux ou 1360 kg. Mais voilà, mais c'est pas encore l'équivalent parce que là, ça fait 225 chevaux pour 150 kg. Donc après, l'avantage, enfin l'inconvénient par rapport à une voiture, c'est que celle-ci, tu peux pas passer la puissance aussi facilement qu'avec une voiture. Ah ouais. Mais par contre, dès le moment où tu accélères, vu la légèreté, ça accélère beaucoup plus fort que quasiment n'importe quelle voiture. Il n'y a rien qui suit, il y a éventuellement une Formule 1, mais, on voit les motos. La Formule 1 c'est une sorte de Formule 1 de. Voilà, mesdames et messieurs, bah, merci. De rien, il n'y a pas de quoi. Bah, à tout à l'heure sur la piste. Merci. Bon, j'espère que vous m'entendez, nos amis. La voix avant, c'est la seule que vous allez avoir. Ah, ça s'allume. Et c'est une assemblée d'erreur. Sympa, c'est totalement différent de la voiture. Là, on voit le bitume. Ah, je suis crispé sur les bras. Max, on s'est déjà pris un tour par les autres. Cette machine, 210 kg, 199 chevaux. Je vais enlever mon casque, excusez-moi. J'espère qu'on m'a entendu pendant toute la vidéo. L'engin de guerre, j'ai été surpris 2-3 fois par la vitesse. Et plutôt que de me pencher, j'ai un peu freiné, mais oh là 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 là. Ouh, incroyable. S1000 RR. Je sais pas s'il y a un stabilisateur sur ma caméra parce que je tremble encore. C'est merci BMW pour cette expérience, enfin, c'est incroyable quoi. S1000 RR. Bon, après je prendrai pas ça pour un daily hein. Le Monster c'est quand même un peu plus maniable. Mais j'ai pas fait une seule fois la poignée de gaz avant, je pense, tellement c'est ouf. C'est ahurissant, assez flippant au début, beaucoup d'appréhension. Mais après le kiff prend le dessus et ça c'est génial. Et on va repartir pour une deuxième session de roulage, toujours avec la S1000 RR, aux pneus de performance extrême. Bon,
On espère que ça va marcher aussi bien que la première session. Regardez-moi la plaque. Voilà, démarré. Hein, Julien ? Il sait pas dans quoi il s'engage, il sait pas. Écoute ça. Bon, deuxième série de tours. Et là, il me demande de déhancher. Oh là là, ça fait bizarre. Oh là là, j'ai le cul qui est plus sur la moto. J'essaie de faire comme lui, je pense. Ah, oh là là, il y a du monde là. Oh là là. Oh, le double droite. Ah putain, ça tire dans les jambes. Oh la vache.
putain. Deuxième session de S1000RR terminée. J'ai les jambes qui tremblent, j'ai plus de force, j'ai les mains qui tremblent. Mais j'ai fait full gaz à chaque fois sur les lignes droites. Grosse frayeur parce que j'étais passé en arrière en fait au freinage. Et du coup l'arrière s'est levé à un moment. Après j'ai ralenti un peu le rythme. Ah putain. Va falloir que je reprenne mes esprits 5 minutes et je reviens vers vous après. Bon, ça y est, cette journée au BMW Passion Days Moto est terminée. Pouvoir tester ça sur la piste, c'était incroyable. La deuxième session, je me suis fait un peu peur, mais au moins j'ai pu envoyer vraiment tester une sportive déjà. Expérience de fou. Et sur circuit, alors là, ça n'a rien à voir. C'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer en termes d'accélération. Si tu veux l'équivalent de ça, en voiture, faudra débourser entre 500 et 1 million d'euros, quoi. Ça, c'est entre 15 et 20 000 euros. J'ai plus les mots, j'ai eu le temps de déjeuner, de reprendre un peu mes esprits, mais il faut que je reset mon cerveau. J'espère que cette vidéo moto vous a plu. C'est un peu l'idée de cette journée, c'est de aussi concilier la passion moto avec la passion auto, moto et auto, auto et moto. Et parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les autos, qui aiment les motos. Le contraire est vrai aussi, c'est pas le cas de tout le monde. Donc ceux qui n'aiment pas la moto, c'est pas grave, mais à ceux qui aiment la moto, je pense que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !